Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons l'un des combattants les plus aguerris du circuit. Il s'agit de Prince Aounala qui sera accompagné de notre chroniqueur préféré, Sébastien Love. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, on va parler beaucoup de toi, Prince, aujourd'hui, et notamment de ton prochain combat au Hexagone MMA. Mais avant cela, eh bien, il y a les news avec Lucien Jahan. Après sa défaite en janvier face à Sean Strickland, Nassourdine Imavov était de retour dans la cage pour l'UFC 289 au Canada. Opposé à Chris Curtis, actuel 12e de la catégorie des middleweight, le sniper avait à cœur de se rapprocher du prestigieux top 10, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors que le français dominait le combat, sa tête est venue se heurter à celle de Curtis dans la seconde reprise. La rencontre a alors été stoppée, Imavov a vu la victoire lui échapper sur un no contest après ce coup de tête involontaire. Terrible désillusion pour Nassourdine, qui a du mal à enchaîner depuis son succès à l'UFC Paris en septembre dernier. À Vancouver, c'est Amanda Nunes qui a brillé. La meilleure combattante féminine de l'histoire était confrontée à Irene Aldana, la Mexicaine qui a eu la lourde tâche de remplacer Juliana Pena, pas prête pour cette UFC 289. Le combat a été à sens unique. La championne était en démonstration, ne laissant aucune chance à son adversaire. Nunes s'impose par décision unanime et conserve son titre des Bantamweight. Après le combat, la légende a annoncé que c'était la dernière fois qu'on la verrait dans la cage. Une belle façon de tirer sa révérence. En octobre 2022, Amar Masri décrochait l'or au championnat d'Europe IMAF chez les moins de 63 kg. 8 mois plus tard, le combattant de la Chaos Squad faisait ses débuts en professionnel. C'était le week-end dernier lors de la première édition du Kingdom Fighting à Grenoble. Malheureusement, Masri a manqué ses débuts dans la cour des grands. Le français s'est incliné par décision face à Antero dos Santos qui était sur ses terres à Grenoble puisqu'il s'entraîne là-bas depuis quelques mois. Déception pour Masri qui va tout faire pour débloquer très vite son compteur de victoires chez les pros. Le MMA Grand Prix va poser ses valises en Suisse le 7 juillet prochain. Après le cirque d'hiver de Paris et le parc des expositions de Bordeaux, c'est à l'aréna de Genève que le gratin du MMA français sera réuni. Et pour cet événement, l'organisation a vu les choses en grand, en proposant l'une des meilleures cartes de l'histoire du MMAGP. Avec le report de l'événement du 17 juin à Bordeaux, les combats majeurs de la carte bordelaise ont basculé sur le MMAGP de Genève. A commencer par Michael Aljarouge, champion en titre des Flyweight, qui sera opposé à l'Azerbaïdjanais Kenan Jafarli. Un combattant expérimenté de 33 ans, qui a un bilan de 19 victoires et 13 défaites. Mais le sociétaire de la Old School Academy est en grande forme, avec 2 victoires en 2 combats au MMAGP. La première face à Sylvain Sommerhaisen à Paris, et la dernière en date contre Zubir Bouarsa, combat dans lequel il a décroché la première ceinture de l'histoire de l'organisation. Le 7 juillet, Michael viendra pour en découdre dans la cage, mais aussi pour donner de la voix et soutenir son ami de toujours, Alphand Rocher-Labesse. Le combattant de la Old School combat pour la ceinture des moins de 61 kg face au Vénézuélien Davy Tachon. Il y a un an, Alphand avait marqué les esprits contre Mikhail Kangichev au MMAGP, avec un chaos retentissant qui avait fait exploser le cirque d'hiver. À Genève, il sera opposé à un combattant qui n'a connu qu'une seule fois la défaite en 8 combats. Comme Alphand, il reste sur 4 succès consécutifs dans la cage. Ça promet un affrontement explosif. Ce combat risque aussi de l'être. Jason Poney face à Michael Dubois pour la ceinture des moins de 77 kg. Dubois avait renversé le scénario de son combat face à Soufiane Oudina en s'imposant sur une magnifique guillotine. Le 7 juillet, il aura un avantage de taille sur Jason Poney. Il sera chez lui, sur ses terres. Mais à domicile comme à l'extérieur, Jason Poney, 34 ans, n'a qu'une seule chose en tête, terminer ce combat avec la ceinture autour de la taille. Le samouraï face au bad boy, un duel qui s'annonce épique. Dernière ceinture en jeu lors de ce MMAGP à Genève, celle des mi-lourds. Yann Kouadja défie l'Algérien Saïd Mahalem en main event de la soirée. Le combattant de la Hatch Academy est un tueur. 8 victoires, toutes avant la limite. Point noir au tableau, Kouadja reste sur une défaite au premier round lors du KSW 68 en Pologne. Quant à Saïd Mahalem, il a perdu ses 2 derniers combats au Brave, mais son bilan total est plus que correct, 11 victoires et 5 défaites. Les deux combattants vont connaître leur première au MMAGP le 7 juillet prochain. Showman et efficace, voilà comment on peut décrire en 2 mots le phénomène Emerson Silva. 2 combats au MMAGP, 2 victoires expéditives, 27 secondes face à Mathieu Chaumont
qu'il a littéralement éteint avec un étranglement venu d'ailleurs. Et pour son deuxième combat face à Bruno Loret, Silva nous avait gratifié de deux projections dignes d'un combat de catch, avant de terminer le français par une guillotine à la fin du premier round. Le Brésilien va-t-il encore faire lever les foules à Genève ? Son adversaire Mathias Poiron compte bien ne pas être la prochaine proie du protégé de Daniel Warren. Le sociétaire de la Climax Fight Academy n'a pas encore connu la défaite chez les pros avec 5 combats pour autant de victoires. Dernier succès en date en avril lors de la nuit des combattants. En Suisse, il va faire face à un adversaire redoutable. Vous l'aurez compris, le MMAGP à Genève s'annonce mémorable avec plus de 4000 spectateurs attendus, 13 combats exceptionnels et du spectacle garanti. Octogone, c'est le nom du premier magazine papier 100% MMA français. Le projet a été lancé par Au Menu du Jour, une agence spécialisée dans le MMA qui propose des événements, des contenus audiovisuels et également des articles de qualité. Le premier numéro est composé de 66 pages. Au programme, les coulisses de la légalisation du MMA en France, les actions de la fédération, mais aussi des portraits de combattants de choix et de leur univers, et bien d'autres surprises. Vous pouvez déjà précommander le magazine en vous rendant sur le site de Au Menu du Jour. Habitué des succès des brûleurs de loups en hockey sur glace, la patinoire Pôle Sud s'est transformée en octogone le temps d'une soirée pour le Kingdom Fighting, un événement de MMA inédit à Grenoble, organisé par la team Miyawi. Une soirée marquée par le premier combat en France d'une légende de la discipline, Antonio Silva, surnommé Bigfoot. Son tableau de chasse est impressionnant avec des victoires contre Fedor, Overeem ou encore Arlovski. Le Brésilien était opposé à Salim El Ouassadi en main event de la soirée. Et après une guerre de 3 reprises, Silva finit par s'incliner à la décision. À la fin du combat, Bigfoot a annoncé sa retraite. Un grand monsieur du MMA quitte la cage. Quant à Salim El Ouassadi, il a marqué les esprits en venant à bout de ce combattant d'exception. Le Marocain sera de retour sur ses terres en septembre pour le BTT Training Camp. Comme chaque année, Guillaume Pelletier, directeur de la Bulgarian Top Team, organise des détections pour dénicher la nouvelle recrue de choc. Du 4 au 10 septembre prochain, ça se passera du côté de Casablanca, sous les yeux de Salim, qui aura un œil attentif sur les futures pépites de la BTT. Inspiré de la série The Ultimate Fighter produite par l'UFC, le BTT Training Camp donne l'opportunité à des combattants encore peu connus du grand public de s'illustrer. Le principe est simple, les compétiteurs sont divisés en 2 équipes, chacune entraînée par un athlète reconnu de la BTT. Les combattants sont au quotidien ensemble, malgré la rivalité, des liens d'amitié se créent, mais à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et la récompense pour le gagnant est énorme, un contrat de management à la BTT en tant que combattant professionnel. Il y a 2 ans, c'est Alexandra Tekena qui s'était imposée. Qui sera le vainqueur cette année ? Réponse en septembre. En avril dernier, Claire Lopez a fait ses débuts au Rizin. Elle était opposée à l'une des stars de l'organisation, Rena Kubota. Un combat d'une intensité rare que la Française a fini par remporter. Une performance qui a marqué les esprits et qui lui a ouvert les portes du Summer Party Super Rizin, l'événement majeur de l'été qui se déroulera le 30 juillet prochain. Claire Lopez va combattre face à la championne en titre Seka Izawa. Elle sera donc la première Française à combattre pour une ceinture au Rizin. La semaine prochaine, Claire Lopez est l'invitée de MMA Extra Round. Elle revient sur sa victoire face à Rena Kubota et nous parle de son combat pour le titre. Une émission à ne manquer sous aucun prétexte. Invaincu en 7 combats de MMA depuis le début de sa carrière, Mehdi Ben Lagdar s'épanouit pleinement aux Cage Warriors. Après avoir brillé au sein de l'organisation britannique, The Last Uchiwa de son surnom voulait combattre à nouveau en France. Son souhait a été exaucé puisqu'il sera sur la carte de l'Hexagone MMA le 17 juin prochain à Reims. Nous avons rencontré Mehdi qui nous explique sa signature au sein de l'organisation française. Le deal que j'ai avec le Cage Warriors, c'est que j'avais un contrat d'exclusivité donc qui me permettait de combattre uniquement au Cage Warriors. Aujourd'hui, mon contrat s'est terminé, donc je n'ai plus d'exclusivité à proprement parler. On cherche les deals les plus intéressants, en tout cas pour moi aujourd'hui. Voilà. Le Cage Warriors
et moi avons conclu d'un accord pour pouvoir combattre en France. Et j'ai choisi l'Hexagone MMA. Ça reste intéressant pour eux, pour la simple et bonne raison que je suis managé par eux. Donc quelque part, je ne m'en vais pas. On a des intérêts communs. Et si aujourd'hui, c'est dans mon intérêt de pouvoir combattre en France en tant que Français et de ne pas combattre qu'au Royaume-Uni, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde en réalité. Le Hexagone MMA ont réussi à me séduire parce qu'il paye bien. Il paye bien. C'est important pour nous en tant que combattants. On a très souvent combattu pour en tout cas pas ce pourquoi on devrait être payé. Aujourd'hui, on a la possibilité de renverser un peu les choses. On le voit aujourd'hui avec Francis Ngannou, on le voit avec Cédric Doumbé très récemment. On est la force. Comment tu aimerais voir évoluer les choses après ce combat ? Après ce combat, j'aimerais me positionner sur la ceinture des moins de 70 à l'Hexagone. Pourquoi pas retourner au Cage Warrior, combattre aussi pour la ceinture que je devais faire deux fois par le passé, une fois qui a été annulée suite à une blessure que j'ai eue une semaine et demie avant, et la deuxième fois parce que j'ai été testé positif au Covid, c'était pendant la période, le jour de la pesée. Maintenant, j'ai un petit sentiment d'inachevé là-bas au Cage Warrior. J'ai pas fini le jeu en vérité, tu vois. T'sais, tu prends un jeu, tu passes des niveaux, mais t'éteins la play direct en fait. J'ai besoin de finir le jeu et après aller voir ailleurs. Nora Cornol, 33 ans, vient de signer à l'UFC. L'ancienne championne de Muay Thai devient la troisième combattante française à signer avec la Ligue majeure de MMA après Zara Fern et Manon Fiorot. La sociétaire de la Free Fight Academy reste sur une série de 6 succès consécutifs dans la cage. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues outre-Atlantique. Cette signature pourrait lui permettre de combattre lors de la seconde édition de l'UFC Paris, qui est prévue pour le samedi 2 septembre. Prince, tu es notre invité Spotlight. Alors Prince, toi tu as fait partie de ces pionniers du MMA, tu as débuté ta carrière en 2012 alors que tu n'avais que 20 ans si mes informations sont bonnes. À quoi ça ressemblait la vie de combattant à l'époque ? Bah ça n'avait rien à voir avec maintenant. C'est vrai ? C'était beaucoup plus compliqué dans le sens où les gens qui étaient là, ils étaient vraiment là pour ça. Les primes ne suivaient pas, on enchaînait beaucoup de combats des fois le même jour. Donc c'était particulier, mais c'était mieux parce qu'il y avait vraiment l'envie de combattre. Parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont moins envie ? Ben, vu que c'est beaucoup médiatisé, donc forcément, les gens ils rêvent de carrière, alors qu'avant, c'était vraiment la passion qui primait. Ouais, c'est ça. C'est qu'on est plus attiré par la lumière maintenant. C'est ça. Et les perspectives d'avenir que ça peut offrir. C'est ça. Après, c'est une motivation légitime, mais effectivement, il y a peut-être un peu moins cet amour du sport, donc selon toi. Oui, c'est totalement ça. Mais après, c'est pas parce qu'on veut faire carrière ou quoi que c'est pas de bonne motivation. Mais avant, c'était vraiment compliqué de faire carrière. Donc tous ceux qui arrivaient, c'est vraiment qu'ils avaient la dalle. Et genre, alors à ton époque, rentrer à l'UFC, par exemple, ça faisait partie presque... Enfin, c'était presque un fantasme, finalement. Ouais, c'était ça. C'était un rêve, limite, c'était un rêve qu'on pouvait pas atteindre. Ouais. Donc ça faisait rêver, mais c'était compliqué. Ouais, et... C'était le début hein, du 100%, il a fait les débuts du 100% fight. Hein, il a pris, t'as pris les grands noms du 100%, t'as pris Cheikh Kone, t'as pris Charles Andrade, t'as pris Mathieu Grondin, j'avais noté, t'as pris Bakary, Ella Noire. Et Prince, il est là depuis le début, et c'est vrai que c'était... Allez, pour 100 balles, tu rentrais, tu montais, tu combattais, t'étais content d'avoir combattu, t'avais repris juste 100 balles et tu recombattais la semaine d'après. Mais parfois, il n'y avait même pas 100 balles. Des fois, il n'y avait même pas 100 balles, oui. C'est gentil, toi. T'avais réussi, là. J'ai mis du temps avant d'être payé. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Plusieurs ceintures avant d'être payé. Mais non. Oh. Ouais. Non, mais on est vraiment dans une autre réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, le combattant français, il est en position de force, c'est-à-dire qu'il peut vraiment négocier. Il y a tellement une pénurie des combattants, ils sont tous signés partout. Justement, toi, tu te retrouves un petit peu dans ce nouvel écosystème. Donc pour moi, c'est toujours pareil en fait. Je combats, sauf que maintenant, j'accepte plus les combats comme avant.
Maintenant, je suis un peu plus réfléchi. Ouais. Avant, c'était, je pouvais combattre septembre, deux, trois mois après, j'enchaînais. Donc maintenant, j'essaie de pas construire ma carrière parce que j'ai une trop grosse carrière dans le sens où j'ai commencé il y a longtemps. Mais j'essaie vraiment de... De gérer mieux ton énergie, gérer alors. Mieux, prendre du plaisir, ouais. Faire attention à moi. Parce qu'avant, au niveau santé, c'était pas top. Et alors, si je ne m'abuse, tu as commencé, toi, par le sambo, c'est bien ça? Non. Non, t'as pas commencé par le sambo? Non. Ah, il me semblait. Alors, t'étais pas fan de Fedor Emelianenko, hein? Ah, voilà, donc, pardon. J'ai mixé, j'ai travesti la réalité. Fedor, donc, c'est un exemple pour toi, son style? Oui. On peut dire que t'as un petit peu le même style? On peut dire ça dans le sens où lui, il était complet et il acceptait la guerre. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on... Bon, je vais dire, on se ressemble, même si... Sans prétention, mais ouais, c'est un exemple. Et alors à l'époque, je me rappelle, tu essayais d'en vivre du MMA, tu t'es rendu compte que c'était très compliqué. Et alors, est-ce que c'est à cause de ça que tu as fait un break finalement dans ta carrière? C'est plus par rapport au Covid. Plus au Covid? Ouais, donc... Qui t'a mis un stop? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, bah, t'étais sur un bel élan, comment ça s'est passé? Non, même pas, j'étais sur trois défaites consécutives, ouais. Il y a eu le Covid, donc moi forcément, Covid... à la maison, tout ça, donc prise de poids, c'était compliqué pour s'entraîner, c'était juste pour sortir, c'était compliqué. Donc j'ai préféré faire un break, attendre que tout ça passe et voir si je reviens ou pas. Et ça t'a été bénéfique? Oui, parce que oui. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup regardé mes combats, j'ai analysé, j'ai vu ce qui me manquait, où je devais aller, donc ça m'a beaucoup aidé. Et à la base, toi, tu étais en moins de 93 kilos? C'est ça. Et donc aujourd'hui, tu es monté de catégorie. Est-ce que c'est aussi à cause du Covid? De ce que tu as mangé pendant le Covid? Dis-le. Je ne voulais pas le dire, mais... On s'est laissé aller un petit peu, non? Forcément. C'est combien, là? Là, je suis à 110, donc ça va. Ouais. Oui, pendant ouais. Le Covid, j'étais monté à 127. Ah ouais, ah ouais. Et alors du coup, changer de catégorie, comment ça s'exprime ça dans la cage? T'as les mêmes sensations que quand tu étais en moins de 93? Ben, pour la petite info, j'ai commencé ma carrière en pro. En poids lourd. D'accord. J'ai fait le contender poids lourd. J'étais à l'époque, j'étais à 98. Donc, j'ai commencé vraiment par les poids lourds. Ensuite, je suis descendu à 93. Et ben là, ce que j'aime bien, c'est que il n'y a plus de cutting. Donc, pour moi, ne pas faire de cutting, c'est limite, c'est un autre sport, en fait. C'est vrai? Juste à venir à combattre. Mais alors, est-ce que tu as autant la grinta quand tu vas au combat? Parce qu'il y a cette partie-là aussi du weight cutting. Certes, c'est difficile, mais à la fois, ça te donne faim dans tous les sens du terme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Après, ça bouge pas. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a le cutting, t'es beaucoup plus concentré, t'y penses tout le temps, en fait. Mm. T'as tout le temps faim. Ouais. Mais ouais, non, c'est... J'ai toujours considéré ça comme quelque chose qui te prend trop de temps, le cutting. À d'énergie. Mentalement parlant. Ah, mentalement, mentalement oui. Parlant. Ouais. Alors que là, effectivement, les poids lourds, il n'y a pas ce souci. T'es 100% juste sur l'aspect technique du combat, l'aspect physique, sans parler donc du cutting. Non, mais surtout quand t'as une vie de famille, en fait. Quand t'es en cutting, ouais. T'es extrêmement sensible, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Comment tu gères ta famille au quotidien? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est totalement ça. En fait, t'es tout le temps en train de penser à ça. Ça veut dire que c'est compliqué dans le sens où, quand tu vas au travail, tu penses à ça. Je sais pas, si t'as des enfants, tu vas leur donner à manger, ben forcément, toi, si t'as faim, tu vois les autres manger, donc tu penses qu'à ça. Ouais. Alors que quand t'es en poids lourd, tu t'entraînes. T'es libéré. C'est tout. Eh ben voilà, je vais faire ça, je vais passer en poids lourd. Voilà. Tu te fixes quand même un poids à ne pas dépasser, même oui. Si t'es en lourd, voilà, t'as quand même une barrière. Dans les alentours de 110. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais. Et est-ce que tu te sens plus fort, plus explosif avec cette catégorie? Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec le cutting, des fois je perdais des 10, j'ai déjà perdu 17 kilos pour un combat. Ouais. Donc forcément, quand j'arrive, je suis desséché. Donc ça veut dire que premier round, deuxième round, ça va, après ça devient compliqué. Là, ça va beaucoup mieux. Mmh, t'arrives à mieux gérer donc au niveau énergétique. Et justement, donc cette pause, elle t'a fait du bien parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu étais sur trois défaites consécutives. Tu as eu cette espèce de reboot pendant le Covid et finalement tu es revenu avec UAE Warrior et Hexagone et ça a été plutôt bénéfique. On va revoir les images du dernier Hexagone MMA. Ouais. Oh, le bras arrière. Ça a touché, hein. Frappe ça a touché. Très lourde. Attention au coup de genou. Il descend dans les jambes, il cherche la saisie et ça va voler. Allez, le grand endpoint pour marquer les esprits dans les 10 dernières secondes. Allez, c'est parti. Oui, superbe. Oh, ça vacille, hein. Il a arraché le bras de cette manière-là. Et c'est oui, passé cette fois-ci. Superbe. Très bonne défense. Allez, on cherche un finish du côté de Prince Aounala. Malheureusement, il reste
une poignée de secondes. Et bah, on aura le droit. Un troisième round, c'est étonnant pour un combat de poids lourd. Et un direct du bras avant qui passe. Attention, il va falloir gérer la tempête, mais il se jette un petit peu n'importe comment, Grigoré. Et ça a touché encore une fois. Il en redemande. Voilà. Elle a choisi la lutte. Super, alors là on a un body lock, c'est-à-dire une ceinture. Et ça a tombé. Autour de la taille pour crochetage, pour finaliser. Super le crochetage. Au sol, et là il peut se reposer ou envoyer des frappes significatives. On est à 10 secondes de la fin. Pourquoi pas marquer les esprits. En tout cas, c'est assez rare hein, d'avoir un combat de poids lourd qui va au bout. Et surtout de voir un poids lourd capable de se déplacer comme ça. C'est beau. Ouais, très très beau. C'est beau à voir. Décision unanime des juges, la victoire est attribuée au coin rouge, Prince Sa Majesté Aounala. Et donc en plus j'imagine que alors, tu as eu l'arrivée de ton enfant aussi, tu as, ouais, c'est ça, pendant le Covid, donc j'imagine que les priorités elles changent, est-ce que ça fait pas partie aussi de cette nouvelle sagesse que tu as acquis en tant que combattant? Bah, forcément, être papa, ça change beaucoup de choses, dans le sens où on pense plus vraiment qu'à soi. Et bah là, pour le coup, c'était mon deuxième fils. Donc oui, forcément, c'est... Il y a beaucoup plus de maturité qui vient, et quand on va à la guerre, on essaie vraiment de revenir en un seul morceau. Ouais, c'est ça, c'est important. J'ai l'impression que ça décuple même la motivation. Tous les pères de famille avec qui je parle, ça décuple leur motivation quand ils vont au combat. Ouais. Toi aussi? Bah parce que c'est de la, ouais, la maturité. Et toi, Seb? Non, mais la maturité, moi, quand je combattais, j'avais pas encore mes enfants. Moi, je les ai eu plus tard. Mais forcément, après, c'est pas, peut-être pas forcément, parce que quand t'as des enfants, c'est plus, tu prends de l'âge. T'as combattu, donc tu fais attention à toi, tu préserves ton intégrité. Donc il y a ça aussi, la maturité fait ça. Et puis être papa, bah forcément, tu prends maturité. Enfin, dans la majeure partie des cas. Mais moi, quand j'ai vu débuter Prince... le combattant qu'il était, ouais, c'était fougueux. Enfin, je veux dire, c'était un bonheur de dire, quand Prince était sur la carte, on va dire, ah, il y avait du spectacle. Et il y avait du spectacle. Il y avait du spectacle. Donc là, moi, j'ai qu'une hâte, là, c'est de voir ce combat contre Paul, et ça va être monstrueux. Et quelque part, tu n'es pas étonné de le retrouver là, finalement. Non, à je ne suis ceinture. Pas étonné parce qu'il a toujours, cette ascension qu'il a, il est posé. Et tu as toujours été comme ça, même quand tu as débuté, hein. Ouais, même si tu étais plus jeune. Là, on a discuté donc, en off. Ouais, il a toujours eu ce côté un petit peu. Ok, je m'assois, je prends mon temps, je parle calmement, et après, sur le ring, c'est autre chose. Mais dans la vie, comme sur le ring, je pense que tu as cette personnalité qui fait que ça ne changera pas. Cette maturité, tu l'as eue même quand tu étais jeune, je pense qu'elle te suit. Ce n'est pas le fait que tu étais papa, je pense que tu aurais quand même eu cette mentalité, même si tu n'as pas réussi à te freiner sur la bouffe pendant le Covid. Ben oui, bien sûr, parce que de base, je suis un fan de MMA. Ben oui. Et vraiment, vraiment, vraiment. Et ce n'est pas parce que je combats... que je me considère comme combattant. Je me considère plus fan que combattant. Un fan qui expérimente. Voilà. Donc ouais. En fait, je prends du plaisir à chaque moment. Ouais. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais 20 ans. Je me suis dit, à 25 ans, si j'ai combattu dans la cage, c'est bon, je peux arrêter. Pour moi, c'était vraiment limite impossible de faire carrière. Parce que les mecs, quand je les voyais monter dans la cage, j'étais impressionné. Ouais, c'était inaccessible, fait, c'était le Rise, pas le Rising, c'était le Pride, l'UFC, voilà. Ça paraissait lointain tout ça. Quel courage. Tu rentres dans une cage, le... Alors que tu le fais toi-même. Ouais, c'est ça. Mais quel courage. Mais en fait, tant que t'es pas rentré dans la cage, eh ben, tu peux pas savoir tout ce qui se passe. Bien sûr. Mais juste en voyant ça, ben, ça me... C'est quelque chose à vivre. Hein. Ouais. Ouais, on le recommande. Ouais. Bon. Au moins une fois. Au moins une fois, voilà. Est-ce qu'il y a une différence dans ta manière de t'entraîner par rapport à l'avant-légalisation et l'après-légalisation? Parce qu'en fait, là, tu me disais que tu avais ton club à toi. Tu t'entraînes aussi encore chez Mathieu Nicourt, par loyauté aussi, j'imagine, parce que tu as commencé là-bas, si je ne me trompe pas. Comment tu t'organises? Ça ressemble à quoi, maintenant, ton entraînement? Ben, ma prépa physique, je la fais avec Rachid Metlouchi, donc à ma salle. À Honneur de Blanc-de-Nil. Rachid est avec toi en fait, il s'entraîne. Ouais. Ah ok, super. Rachid, ancien du 100% aussi, hein, qui a combattu plusieurs fois au 100%. Rachid. Ça, donc avec Rachid, on a créé une section qu'on appelle la Horde. Mm-hmm. Et dedans, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous les 93, tous les poids lourds qu'on pouvait. Okay. Donc il y a des grands noms comme Omar Sy. Oui, ouais. Ah, donc ça veut dire que tu as des. Ismaël, Zoumana, il y a plein de. Ah ouais, d'accord, donc tu as recruté les poids lourds en fait, mais c'est génial! Ah, t'as fait une écurie poids lourd, un peu comme on voit aux États-Unis souvent. Ah, c'est de super. Base, ce que vous voulez faire, c'est la Black Zian, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Bien sûr. Des combattants qui font leur équipe et qui s'entraînent entre eux. Ouais, c'est hyper donc, bien. C'est ce qu'on a fait, ça marche plutôt pas mal. C'est, bah, avant ça,
quand je tournais dans d'autres salles ou quoi, je tournais beaucoup avec des 84, 77. Il y avait un, voire deux poids lourds dans la salle. Et c'est cool, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. C'est nous, pas fonctionnel, mais oui. Donc là, en fait, tu tournes qu'avec des poids lourds, donc forcément, tu es obligé d'évoluer. Ah bah oui, la progression, elle est fulgurante. Bah forcément. Obligé. Ah oui. Puis en plus, les noms que tu as cités, là, c'est... il y a du très, très lourd, là. C'est ça. Ah, c'est vachement bien. Et encore, j'en ai oublié pas mal. Hein. Ouais, j'imagine. Mais, déjà là, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant, parce que les poids lourds sont en minorité dans les clubs, et c'est toujours difficile d'avoir des sparring de qualité. Ça. Et c'est pas bénéfique, ni pour l'un, ni pour l'autre, finalement. Parce que les poids lourds peuvent blesser les poids légers, et puis ils n'ont pas le, comment dire, l'adversité qu'ils méritent d'avoir. Exactement. Donc, si vous êtes un poids lourd, sachez que Prince Aounala a créé un club pour vous, messieurs. Il est où, d'ailleurs, ce club, tu l'as bah, en fait, on s'entraîne un peu partout. Ouais, voilà, vous bougez. Voilà. Club itinérant. Voilà, ouais. Donc des fois on est à Honneur de Blanc-Mesnil, des fois on est à Honneur de la Courneuve. Okay, on est un peu partout. Donc dans les Honneurs en général ? Oui. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a une belle structure chez Honneur. Ils ont une cage, ouais, ils ont un ring, ils ont du crossfit, on peut vraiment tout y faire. C'est vrai que c'est une belle structure, je suis d'accord. Donc c'est super en fait, parce que forcément, t'es plus obligé de retenir tes coups. Là on est entre poids lourds de qualité. Ouais. Donc il y a du talent, donc forcément t'es obligé de progresser. Et ça a beaucoup changé au niveau de ma prépa. Alors, il y a un poids lourd qui n'est pas dans ton écurie, c'est Paul-Emmanuel Yaz, puisque tu vas le rencontrer le 17 juin prochain. Vous vous connaissez déjà, j'imagine, de nom, parce que lui aussi, il a roulé sa bosse dans ce milieu. Qu'est-ce que tu pressens pour ce combat? Comment tu vois les choses? C'est un combat déjà qui te fait kiffer, personnellement? Oui, ouais. Oui, parce que c'est pour une ceinture. J'aime beaucoup les ceintures. Ouais, on aime bien les ceintures. Et ça fait longtemps que je n'ai pas combattu pour une ceinture. C'est vrai. Donc, ça remonte à quand, la dernière fois? La dernière fois, waouh. Je crois que c'était en République tchèque pour une ceinture mondiale. D'accord. Contre Mikhail Ragonzin. Ouais. Et ça s'est mal passé. Ouais. Mais Et donc là, tu as une autre chance. Ouais, j'ai une autre chance. En fait. Ça te motive beaucoup, les ceintures? Ça me motive. Ouais. Pour moi, c'est un accomplissement, en fait. Ouais. Et puis, tu as l'image, j'imagine, de tous les champions que tu regardais à l'époque et tu te dis, ça pourrait être moi. Voilà. C'est ça? On aime ces images. Ah bah oui, ça va être un beau combat contre Paul. J'ai expliqué ces deux derniers combats à la Brutance à Paul. Ah, il est solide, Paul. Très très solide. Ouais, vous êtes tous les deux solides. 6 victoires, 2 défaites, Paul. Et, j'ai hâte. Qu'est-ce que tu attends du MMA aujourd'hui? Comme je te disais la dernière fois là, dans mon interview après combat, c'est pas que j'attends plus rien, mais pour moi en fait, mes belles années elles sont déjà passées. Donc maintenant, je kiffe. Tu fais les derniers mètres? Pour faire un bel au revoir à ton sport Je ne sais pas si les derniers mètres, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, je pense que je vais continuer. Et plus... Ce qui est bien, c'est que là, maintenant, en fait, j'ai plus de pression, dans le sens où il faut que je fasse bien les choses pour signer là, pour signer... Non, je combats, je prends du plaisir. Et je crois que c'est quand on est libéré hein, qu'on est le plus performant, d'ailleurs. Hein. Libéré de la pression et sociale et personnelle. Quand il n'y a rien pour te polluer, les trucs un petit peu extrasportifs et tout, voilà, tu fais ton truc. C'est ça. Quand j'ai commencé assez jeune, il y avait beaucoup d'attentes autour de moi. Donc forcément, on suivait beaucoup mes résultats, je me mettais beaucoup la pression. Et là, il n'y a plus tout ça. Donc maintenant, c'est que du kiff. Ouais, là, tu es dans le let it go et ça y est. C'est 27 combats, hein, déjà. Ouais, ça, ouais. Ouais, donc ça te rend compte déjà, c'est énorme. Et puis t'as quoi là, ça te fait 32 ans, 33? 31, bientôt 32, ouais. Bientôt 3, la marge de progression. Non seulement la marge de progression, mais t'as encore le temps. C'est ça, donc j'aurai 32 ans le 21 juin, jours après le combat. Non, t'as encore quelques belles années. Et au Hexagone MMA, c'est un très bon terrain de jeu pour toi, parce que la catégorie des poids lourds est plutôt diversifiée, elle est dense, et tu vas peut-être croiser l'un de tes futurs adversaires au Hexagone MMA de Orange, donc le 28 juillet prochain. C'est un autre mastodonte, donc qui va faire son entrée dans cette ligue, c'est un lutteur sénégalais, Adama Diop. Adama Diop, alors au Sénégal, on le connaît plus sous le surnom de Blindé. Donc c'est un lutteur, forcément la lutte sénégalaise, hein, le sport number one en Afrique, avant même le football, je crois. D'ailleurs, on le voit à l'image, là, regardez, il est en train de s'entraîner sur la plage. Sur la plage et sur le sable, c'est des entraînements quotidiens sur le sable, donc ce qui fait que forcément les aptitudes physiques, elles ne font qu'évoluer. Donc lui, il met tous ses adversaires KO, donc il n'en trouve plus là-bas, il ne trouve plus d'adversaires. Donc forcément, il a fallu qu'il pallie à cette chose, donc il s'est mis au MMA. Il s'est mis au MMA, le problème, pas pour lui, il a fait un combat à l'EFC contre le champion, c'était pas le champion de l'organisation d'ailleurs. Non mais c'était un top 2, Et il a éteint les lumières en 25 secondes, donc il a fait forte impression, donc forcément maintenant il ne trouve plus personne pour l'affronter. Donc il vient en France et tant mieux pour nous, parce que ça va être un poids lourd de choix.
Et puis ça va donner du spectacle. Donc en tout cas, moi j'ai hâte de le voir évoluer. Puis il a une histoire. Il a perdu ses parents très tôt. Donc ça fait un petit peu, voilà, toute cette histoire un peu à l'américaine. Mais force est de constater que, ouais, quand on a vécu des drames comme ça personnels, bah, on se forge une carapace. Qu'est-ce qui peut nous arrêter à part avoir vécu des choses comme ça? Bah là, lui, effectivement, donc il s'entraîne à la dure, il s'est forgé tout seul. C'est un enfant de la rue, en fait. Mais voilà, ouais, c'est ça. Donc là, c'est une force de la nature. Voilà. En tout cas, donc il fera son entrée à l'Hexagone. Et puis, pourquoi pas un jour contre Prince, hein. Ça sera un beau combat, ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, Prince, toi, un lutteur sénégalais? Quand tu penses lutteur sénégalais, qu'est-ce que tu t'imagines? Bah, puissant, déjà. Et il a combien de kilos, lui? Il est poids lourd. Alors, combien de kilos, je ne sais pas. Il a plus de 120, je crois. Ça, j'en ai aucune idée. Ah oui, non, c'est du très, très beau bébé. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Aucune idée combien il pèse. Ouais, c'est... Bah, oh, je pense qu'il doit avoir ton gabarit. Hein. Ouais, bah. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ouais? Un lutteur sénégalais, ça peut être sympa pour le show en plus. Ça serait génial qu'il arrive avec la tenue traditionnelle. Ouais, bah après, ça, c'est les combats très très compliqués en fait. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils sont super puissants. Ouais. Donc forcément, ils sont super puissants. Ils c'est pas académique. Fort. C'est pas académique, donc ça peut arriver de n'importe où. Et pour le ramener au sol, c'est compliqué. Pour le mettre KO, c'est compliqué. Donc, c'est dur. Donc, on va suivre ça. J'avais fait un gala où il y avait deux combattants qui étaient venus. Mais là, on est sur un autre niveau. Ouais. Pour avoir vu les deux, moi aussi, on est sur un autre niveau. Wow, j'ai dit, bah non, en fait, ils se sont pris deux KO, je crois. Non, rapidement. En fait, ils n'avaient que leur lutte, ils n'avaient pas de boxe. Ouais, il y avait zéro boxe. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'à ce poids-là, en lourd, ça vient de, ça peut déconnecter en une fraction de seconde. Mais pour le coup, j'avais été déçu du niveau. Et comme tu le dis, ils n'avaient pas de boxe. C'était juste non, c'est ça. Ils ont été mis en difficulté. Non, et puis après. Lui, il boxe. Ouais. Et puis après, alors il boxe un peu. D'ailleurs, il a battu un champion de boxe, camerounais. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Prince, quand même, t'as quand même l'avantage de l'expérience. Et mine de rien, l'aspect tactique aujourd'hui est hyper important pour être dans l'élite, hein, tout simplement. Il est encore très jeune. Donc, est-ce que ce combat va se faire entre vous? Je ne sais pas. On demandera aux organisateurs. Mais en tout cas, voilà, la catégorie, elle est dense. L'avenir arrive. Et puis, on a hâte de découvrir tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des combattants, toi, que tu aimerais combattre éventuellement une fois? Admettons, scénario idéal. Tu arrives à t'imposer avec cette ceinture. Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite? Quel serait le scénario idéal? Redescendre à 93 et prendre la ceinture en 93. Ah, c'est vrai? Tu aimerais être le pom-pom? Là, tu serais obligé de faire un cutting. Pour être double champion. Là, tu serais prêt à faire le sacrifice. Ouais, franchement, ouais. Et je suis à 110, donc c'est pas comme si j'étais à 120. C'est faisable. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, donc on a des belles ambitions en tout cas, bravo. Ça doit paraître dingue pour des gens qui nous écoutent, je suis à 110, je suis à 93, c'est facile. Alors qu'il y en a qui galèrent à perdre 3 kilos, tu vois. Je te jure. Prince, on te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, que le meilleur gagne, hein, parce que voilà, merci Paul, beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui a du mérite, que le meilleur gagne. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Seb. Ben oui. Et surtout, merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve sur cette même chaîne à la même heure. Bye.